Et re-bien le bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui on va attaquer cette petite machine. Euh, on a remplacé un condensateur film, on l'a démonté entièrement, on l'a nettoyée. Euh, donc elle fonctionne, mais on a une image hyper floue. Et c'est tout ce qu'on a. On a une image hyper floue et ça ne marche pas très bien. Okay. Donc euh, ce que l'on va faire... Ah bah j'avais pas, pas vu, mais bienvenue à toi décédé, et merci d'être le 11 millième follower de la chaîne. Merci beaucoup. Euh, et donc aujourd'hui, on va remplacer des condensateurs et notamment de la partie euh, alimentation euh, sur le côté qui est là et pas de l'autre côté. L'autre côté, c'est plus, euh, ça a l'air d'être moins, moins, euh, moins haute tension, etc. etc. Et, euh, et donc, on va s'occuper de ça et on va voir ce que ça donne. Euh, on va remplacer quelques-uns, on va pas tout remplacer. Et puis voilà, tout simplement, c'est parti. Vous êtes 11 000 à follow la chaîne, vous êtes fous, vous êtes fous. Qui l'eût cru Alors, euh, petit disclaimer, on fait attention. Télé cathodique, 27 000 volts, enfin des milliers de volts du moins, euh, ils ont peut-être pas tous 27 000 volts, mais en tout cas il y a des milliers de volts, donc on fait attention hein, quand on s'occupe de ça, moi-même je suis pas rassuré, donc on fait gaffe, euh, on ne met pas ses doigts partout, et on essaye de, de faire au, au, plus, au, plus, au plus safe, ok Et euh, notamment là ce que l'on va faire c'est qu'on va venir décharger le, le cathodique, qui est normalement encore chargé parce que je l'ai fait tourner ce week-end, donc bon voilà. Euh, et puis voilà. Voili voilou. Let's go On y va. Cette fois-ci, je vais refaire plein de photos. Quelques millier de volts, c'est pas, pas grave. Souvent, on fait le dessert. Hein. Potentiellement, hein, sur ce genre de, de choses. C'est la décédance. Du coup, c'est chiant. En vrai, c'est chiant. Hein. Mourir et tout, c'est relou. Donc, euh, si on peut, on peut s'éviter ça. Donc, je prends des photos parce que la dernière fois, je me suis retrouvé embêté pour la remonter. La téloche. Voilà. Euh, normalement, donc celle-ci, elle est bien faite et elle est coulissante. Tu te méfieras du 230 volts, par contre, lui est dangereux. <laughs> On oh, va quand même. C'est pas le décès ni le décès. <laughs> quand même, euh, 27 000 volts, tu peux, tu peux potentiellement clamer. Bon, je sais que c'est une histoire d'intensité, pas de tension, ou l'inverse. Mais non, c'est ça. C'est une histoire d'intensité, pas de tension, mais quand même, 27 000 volts. Euh, je pense que ça fait, ça fait bobo par là où ça passe, quoi. Là, normalement, je peux un peu le relever. Là, il est totalement décroché. Il est totalement décroché. Alors, pourquoi tu ne viens pas Je crois qu'il faut que j'enlève ça. Voilà. C'est ça. Ça, c'est débranché. Et là, je vais refaire des photos. Notamment ici aussi. Parce que je sais que la dernière fois je m'étais euh, foiré sur ça. Voilà, ça c'est bon, j'ai en photo, ça j'ai en photo, j'ai pas en photo ça. La photo, la photo, à l'intérieur, pareil, on prend la photo. Voilà, ça se débier, ça et hello, on prend la photo aussi. Bienvenue à toi. Abidos, ah, merci pour ton C'est pas l'intention qui tue, c'est l'intensité. Bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Toujours les mêmes qui se plaignent. bah voilà. Les gens qui savent pas de quoi ils parlent, vu que qu'ils euh, ont quand même fait un coup de physique. <laughs> c'est des experts, bien sûr. Fais attention à toi, oui. Moi, je suis toujours rassuré hein, quand je fais ce genre de matos, vous, vous remarquerez. Donc là, on va débrancher les enceintes. Oh, ça souffle déjà beaucoup mieux. Ça c'est cool. Euh, on décharge. On dit qu'on fait ça. On réessaye de décharger sans mourir. Alors, j'ai mon petit J'ai mon petit outil. C'est ça. Et ça, c'est quoi En gros, c'est juste un fil électrique avec une résistance euh, de je ne sais plus combien, de beaucoup, et de beaucoup de watts. Normalement, elle est censée résister à, à pas mal de, de patates. Et, euh, et donc on va juste avec à l'aide de ma pince croco et d'un tournevis ou que c'est c'est là non c'est pas là c'est où en tout cas tu l'imites vachement bien bien je trouve on sent qu'il y a du skill les pinces OK. Des pinpins On va prendre le petit tournevis juste là. Après, je sais pas s'il est encore chargé. Hein. Justement, c'est un peu le, le pile ou face. Mais dans le doute, dans le doute, tu, euh, tu décharges. Tu vois ce que je veux dire Donc là, je me pose et je fais des pauses sur ceci. Voilà. Donc c'est la tresse qui est tout autour. Ok. Fil noir. On va le mettre là. Et donc le fil rouge, juste là. Tac. Et on va pincer avec le. comme ceci. Et donc là, en fait, euh, je vais relier plus euh, au niveau de la tétine du condensateur, enfin du, du tube plutôt. C'est un condensateur, pas du tout. Du tube, au moins, en passant par la résistance. Donc ça va venir le décharger de manière pas trop violente. Tu sais ce que je veux dire. Et on y va. Ça me fait peur. Je vous le dis. Je suis pas à l'aise. Tétine, je te vois. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Je l'ai bien, bien touché. J'ai bien poussé à la tétine. Tout va bien. Ok. Tout va bien, tout va bien. elle est où la terre dans le jardin? J'adore l'humour, vous savez. Ça, euh, ok. Et eh ben, on, je vais juste déconnecter tout ce qui est de cette partie là et on sera bien. C'était les cas. Comme ça, je récupère ce PCB là. On s'occupe de remplacer les condos de ce PCB là. Enfin, si Dieu le veut. Tu veux venir avec moi ou tu veux pas Ah, il y a un petit, un petit loquet en dessous. C'est pour ça. Il ah, y a un gros loquet. Ah oui, il y a un gros loquet. Très bien, ça c'est good. Pourquoi euh... ça Oh oh ça tombe. OK. Donc on a le fil marron qui est là et qui va sur la platine au centre là. décharger correctement, faut que tu relies à la terre. Ah bon OK. Bon, moi, j'ai juste relié à Lolo. saut saut se lève un peu qui c'est qui me retient j'ai lui qui est là oh, j'aime pas ces euh, ces pinces là enfin ces euh, cosses là ils sont trois sont trop Putain. La dernière fois, on l'avait défaite un peu. Je sais pas. Euh. Mais du coup, comment tu fais Alors attends, Je suis curieux parce que tu dis que faut... le mieux pour décharger, c'est de relier à la Terre. Euh, mais comment tu fais Je branche un tournevis dans le, dans, le, dans le sol de mon jardin. Et l'autre extrémité à la, la tétine. C'est ça. So. On va changer aussi l'unique le, le con, condo qui est là. 2,2 250 volts. On va le changer. Mais qui n'a que la terre. La terre, on est d'accord que. On est d'accord que là. Il n'y a pas de terre. Là-dessus. Il y a neutre et phase. Si je dis pas de bêtises. Non, dans ton pot de fleurs à côté. <laughs> non, il n'y a pas. D'accord. Bah là, non, là-dessus non plus. La lime, c'est pas... c'est juste euh, neutre et phase. Il n'y a pas de terre sur ce télé-là. Ou comment tu fais Je vais enlever la tétine. Ce serait énorme en vrai de pouvoir décharger. C'est vrai qu'à chaque fois ça. On en fait à faire ça. Allez la téloche pince roquo sur la masse de la télé, ok. Ce que j'ai fait du coup. Ça s'enlève pas comme ça. Hein. La tétine, euh, la ventouse plutôt, elle s'enlève pas. Tétine, ventouse, je sais plus, bref. J'aurais bien aimé que ça se débranche là, la, la, la ventouse. Sur ce truc là, mais ça, ça se débranche pas ici. Il y en a quelques-uns quand même, des gros condos. Tu l'as vu mon gros condo. Ah, c'est une bobine itachi ça. DK-20K. De la maison personnelle, juste pas se planter sur le fil de la rallonge. <laughs> Oups! Euh... Alors attends, parce que là, ça vient pas trop comme je veux à cause de cette putain de poste de Marthe qui m'embête. Et je sais pas trop comment me démerder. J'avoue que tu fou... envoies le 220 dans la masse de la télé. Oups Bah enfin non, dans le condo du coup. Dans le tube. Je sais pas si ça serait un gros problème d'envoyer du 220 dans le tube, étant donné qu'il prend déjà 27 000. Alors après, il y a un truc que j'avais fait la dernière fois, pour éviter de clamcer aussi, qui était plutôt intelligent, je trouve. C'était de prendre le multimètre. Et de voir s'il restait du, du courant dans le circuit. Voilà. Ça, c'était pas mal, je trouve. Je trouve. Moins. Là-dessus. C'est peut-être du AC Non. C'est du AC dans une télé cathodique, ou c'est du DC C'est TV, TV, il y a sûrement un circuit de décharge. Ah ouais Ça, on en a parlé aussi la dernière fois quand on a fait la Bang fun et euh, on l'a pas trouvé le circuit de décharge. j'ai un peu plus de place pour accéder à ça j'aimerais bien le défaire n'oblige pas à le dessouder pour le défaire à chaque fois Dans les secteurs sur le tube risque euh, tu risques des dégâts c'est pas fait pour passer beaucoup de courant ah oui d'accord et merci beaucoup à merci beaucoup pour ton abonnement. Merci énormément. C'est très gentil. Et je crois que vous vous êtes fait applaudir. Alors laissez-moi. une minute. Et j'arrive. Qui a peur? Elle est traumatisée, la pauvre. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Elle est pas. Ta bengal Wilson, ouais, tu... est... je veux bien croire qu'elle est traumatisée. Elle veut plus me voir, c'est ça. Putain de Ah Enfin. Et là, normalement, il me reste un fil. Ah bah non. Il ne me reste pas un. Il me reste juste la tétine. Et pas la poutine. C'est encore autre chose. Si je soude avec la tétine encore branchée, c'est pas grave. En vrai. Entre nous. Entre bons gens. Ou entre gens bons, comme vous préférez. Euh... C'est une partie de la haute tension qui contient un circuit qui dissipe l'énergie. Après, je ne sais pas trop comment tu identifies. Ah, mais du coup, toi, t'as rien à faire. C'est elle qui se décharge toute seule comme une grande. C'est ça C'est ça le circuit de décharge Ça c'est bien, ça ça me plaît, ça j'aime cette information là. Tu vois pas ça, elle se retire. Non, elle veut pas. Allez, la excusez-moi, je... elle se laisse pour faire. Je vais y aller au tournevis. Tournevis de chez Action, je pense qu'il ré résiste au 27000 000 volts. S'il si y a 27 000 volts, voilà impeccable. Comme ça, je serai tranquille pour m'occuper. De ce PCB. Ça, on a déjà pris en photo, c'est bon. Come with Je sais pas. C'est vraiment que les PCB sont solides parce que euh, y a dessus comme un, un, un archi bourrin Un maxi-bourin. Et euh, pour l'instant, ils ont l'air de, de faire le taf. Et re, ici, quand ici 31 au compteur. Tu as vu ça On a atteint les 31. On a atteint les 8 niveaux 12. C'est complètement dingue. J'essaie de trouver un moyen de positionner ça correctement. C'est que vous êtes trop fort. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, lui n'est pas déchargé, double danger parce que les gros condos sur là, L'eau. Solo. Quand tu dis le primaire, c'est avant. Euh, c'est la prise. C'est tout ce qui vient de la prise. Hein. Tu peux quand même te prendre un petit 250 volts des familles dans les dents, quoi. La tétine, elle sert à quoi Elle envoie le courant dans la télé, dans la téloche. Après, enfin, je parle comme un beauf quand on parle de cathodique. D'ailleurs, ça en est où cette religion cathodique On en est où Putain, mais j'en ai marre. Comment je l'ai enlevé la dernière fois ce machin J'ai pas l'impression d'avoir galéré autant que ça. Allez là. C'est dingue pour une simple cosse à l'intérieur en plus. On oh, fait chier. Je sais plus comment j'ai fait. Comment j'ai fait C'est dingue. Et ben comme ça, c'est pété. C'est quoi a pété Ah, c'est l'autre. Même pas celui-là qui a pété. Ah, Très bien. Et bah, ben, tant pis. C'est pas grave. C'est qu'une protection. Voilà. Comme ça, j'ai accès à ça. Et c'est lui que je veux m'occuper en premier. Waouh, c'est beau. Alors, qu'est-ce que j'ai en rab surtout C'est ça qu'il faut voir sur les condos que j'ai en stock. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Alors, ça, j'en ai plus besoin, c'est les condensateurs film. Ça, normalement, j'en ai plus besoin. Alors, 10 microfarads 250 volts, donc c'est celui qui est là-bas, je crois. C'est ça, c'est toi Ah non, c'est 2,2, donc c'est pas toi. Ensuite, j'ai du 1000 microfarads 35. J'en ai plein, parce que je sais que j'en ai pas mal à remplacer. Les à 35, à 35 encore. J'en ai 10. Tu vas peut-être. Tu vas avoir des BP là-dessus. Ah ouais, des bipolaires, tu penses Alors, fuck enfin, dude. C'est polarisé, c'est polarisé. Tout ça, c'est polarisé. Pour les c'est il est polarisé. Lui, c'est plus simple. Ça, par exemple, je sais pas si c'est un BP. Lui, là, le gros jaune. Donc on verra. Ici c'est débolarisé, c'est débolarisé plus doux. Et on n'en a pas tant que ça. Cool. Ils sont tous différents, ça va être un enfer. Un enfer super. Bah écoute, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre. Si fait la gueule. Il est pas beau lui. Est-ce qu'à votre avis, j'arrive à les tirer sans les dessouder Ça, ça serait bien, ça. Non, on ne peut pas. Mmh, tant pis. Ça dépend du design. Ça y Je zoome. Ah oui, il y a un truc aussi intéressant. Ah, si le plus est écrit, là aussi. Ok, bon, globalement, le plus est, le plus est écrit partout parce que la dernière fois, je crois qu'il n'y était pas écrit. Le plus aussi ici. Euh, Là-dessus, c'est On va les faire au fur et à mesure. Hein. C'est pour ça qu'on va peut-être pas tous les faire aujourd'hui. L'important, c'est de faire au fur et à mesure parce que vraiment... Hein, pas bonne idée. Celui-là, mmh, la dernière fois, ça marchait bien. Pour mmh. bon, le condensateur film, il s'est bien enlevé en tirant dessus. Comme un énorme bourrin. C'était cool. Mmh, mmh, mmh. Bah là, les soudures étaient tellement fatiguées que c'est venu tout seul plutôt cool hop hop là ça me laisse même la place un microfarad 50 volts et ça je je ah et il faut que je fasse gaffe parce que les un microfarad 50 volts que j'ai là-haut c'est pas forcément ceux auxquels on pense c'est que c'est des c'est des BP justement ceux que j'ai là ah bah non, c'est pas eu. C'est fou, ça a changé. Le microparade 50 volts, c'est tout petit maintenant. Ok, on met le plus sur le plus, le moins sur le moins, et on y retourne. Vous savez quoi, on va faire... Je les mets en place et ensuite je les souderai après. Star, t'es un combien tout 25 volts, 10 microfarades. Ce que je dois avouer, ce, ce que je dois avouer. Hop Ce bien, c'est que je vais niquer bien mes stocks. 10 microfarades, 25 volts, j'ai. C'est du 10, hein, c'est ça que j'ai dit. C'était miniaturisé, tout à fait. La 25 volts, 10 microfarades. Très bien, c'est un bipôle également et on y retourne alors pour les condensateurs je jeune pour ceux qui ne connaissent pas non laisse-moi le trou accessible parfait <laughs> pour ceux qui ne connaissent pas les condensateurs il euh, y a deux choses à savoir il faut euh, le même nombre de microfarades c'est mieux et il faut supérieur ou égal en termes d'intensité euh, en, termes de, en termes de tension plutôt, sans pour moi. Et euh, comme ça, après, vous êtes sûr que ça marche comme vous voulez. Parce qu'en gros, la tension sur les condensateurs, c'est la tension à laquelle il va résister. Celui-ci, il est différent des autres, alors que c'est un 10 de microfarad, microfarad 25 volts. Et là aussi, Edson. Ah, tiens, tiens à faire euh, des courses euh, et appeler la compte avec bah ben dis il en a fait des choses monsieur bien joué on y va donc il faut bien respecter ça et puis après bah ben, il ya la polarité il y a plein de petites choses c'est pour lui c'est lui c'est pour lui c'est lui Je suis encore plus bas, je suis là, je suis là, impeccable. impeccable. Si à la fin ça fonctionne, bah déjà j'aimerais beaucoup. <laughs> je vais pas vous mentir, mais il y a 40 euros qui ont été investis dans cette télé sans trop de sécurité, qu'à la fin ça marche. Donc si à la fin ça peut marcher, ça m'arrangerait. Oh, impeccable, et j'ai même pas à sortir la pompe à dessouder pour l'instant, c'est trop cool. Ça fait gagner vraiment du temps. Et surtout, pas que je me trompe de <laughs> au niveau de la polarité. Parce qu'il y ça va faire bim bam boum comme tu dirait l'autre. Ça, c'est bon. On passe au gros qui est là. On a le petit qui est là aussi. Alors, ça, c'est un 16 volts 1000 microfarads. Donc, ça, c'est les nouveaux que j'ai commandés qui sont là. Il n'y en a pas d'autres là-haut, des 1000 microfarads. Ah, il y a des 1016. Bon, c'est pour vrai. On va mettre un 1016, du coup. Et c'est du Nichicon bien sûr. Hop, je vais poser le tiroir là. J'adore Nichicon. Oh Je sais pas s'il a fui lui. Je suis pas sûr. Je sais pas c'est quoi cette marque bleue comme ça. Ça me fait penser... Ces gars ils ont beaucoup de bleu comme ça. Mais je vois pas la marque. Impeccable, ça fit parfaitement comme à l'origine. Impeccable, sauf qu'on sera sur du Nichicon De bien meilleure facture, je l'espère. Donc là c'est du 4,7... Ah oui ça, c'est du microfarad, 63 volts. Michon. <laughs> Très bien. Créer dessus, ou un tampon particulier dessus. Hum. Ah si, c'est du Tocine. C'est du Tocine. Je connais pas. Je connais pas Tosine. 4,7 63 volts, ça c'est dès que j'ai commandé, je crois. J'en avais pas. Vous êtes qui vous 4,7 63 volts et on est aussi sur du nichicon. Je vous fous pas de la merde dedans, je vous le dis moi. Elle a de me sortir. Oui, assez fier. Oh, je vois ça, je vois ça.

OK. Et là c'est des condos orange. Ah, bah alors attends parce que là on pourrait se dire que c'est du bipôle, mais en fait c'est juste que là c'est des condos à la con où ils ont inversé et ils ont indiqué le plus et pas le moins. C'est fou Qui fait ça C'est complètement dingue. Bah c'est Siemens des Siemens. Merci les gars. Très bonne idée de, 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 de changer les nomenclatures. Voilà, oui, ça c'est du coup et ouais, c'est 2,2 volts, donc c'est pour lui. Ça paraît, je crois que c'est du co que j'ai commandé. C'est pour lui. Ils sont assez costauds. <coughs> Et on met du rouge. Vous savez ce que ça veut dire Pourquoi faire comme tout le monde si c'est bien vrai est ce que tu dis C'est un... ce que ça veut dire si on met du, euh, du Nichicon. Vous le savez ça normalement. Vous êtes au courant. La légende raconte que Nichicon euh, c'est les meilleurs. Donc euh, potentiellement il est rouge. C'est même pas Nichicon c'est les meilleurs. C'est juste que c'est des condos rouges et que potentiellement bah, ce seront. Euh... ça va fonctionner. En gros globalement la fin ça marche. Quoi qu'il arrive ça marche. Un condo tuning, Tunis, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. un condo de, voilà, enfin, de Jaiki, mais c'est les meilleurs. On a dit 2,260, c'est lui. Alors, tu devines à peu près où il est positionné. C'est lui y Yayax. C'est où C'est à côté du connecteur. Ça doit être ça. C'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Bah c'est qui C'est ça C'est ça. Ça fait des bulles qui pètent. Le condo perf. Ouais c'est ça, ça va plus vite aussi. Ouais ah non franchement c'est assez impressionnant. Bah là normalement j'ai 4K hein, grâce à ce condo. Non c'est 4K euh, 120 FPS peu importe le jeu. Oh la vache il est un peu... Vous en pensez quoi de celui-ci Niveau de la base, il a l'air un petit peu dodu. Du dessus, ça va. Mais souvent, c'est le dessus qui gonfle et pas le dessous. Je ne sais pas s'ils ont fui ou s'ils étaient collés. Tu vois ce que je veux dire En même temps, s'ils étaient collés, ils n'étaient pas bien collés. Hein. Chez CRPC, j'ai appris que quand c'est rouge, ça va plus vite. Eh bah, oui. Bah, ça marche ici aussi. Oh, le beau pont Et on a dit le plus et le moins impeccable. Il nous en reste un et on aura fini cette partie là. On va pouvoir attaquer l'autre partie parce qu'après il y en a moins. Là il y avait plein de petits, de l'autre côté il y en avait moins. Ne dis pas que ça c'est un bipole. Non, c'est pas un bipole, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. L'eau. Impeccable. T'es qui toi 25 volts 1000 microfarades. ça j'en ai ça. Ça s'appelle une grenade ça. Hein à la taille du truc, c'est une grenade. Quoique là, on a deux, deux bombes atomiques. Là, on est sur quelque chose d'assez costaud. Euh, 2225 volts et pour eux, eux hein, c'est un 1000 microfarad 25 volts donc c'est du 35. Donc je vais mettre et c'est du encore VURS donc, euh, Ils sont beaux, hein. ils sont quand même beaux hein, les VURS hein, Je trouve, hein. je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais hein. ils sont quand même beaux. C'est européen. C'est bien. Je vous jure, c'est allemand. C'est déjà pas mal. Après, rien de nouveau, effectivement, du Chongix. Hein, je vous vois venir, mais bon, c'est déjà pas mal. Plus moins. On plie les papoutes. Et on n'est pas trop mal pour toute cette partie-là. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir souder tout cela, couper les papattes. Et ensuite, on va attaquer les autres parties. Donc, après, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui, euh, on va voir ensemble, mais je, il me fait peur. Je vais avoir besoin des experts, du, du électronicien, du chat. Je crois bien que c'est la première fois que je démonte... Je vais aussi vite pour faire les condos d'une machine. Oh, Aria Merci beaucoup. Merci énormément. Elle gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment tu vas Comment elle va Comment elle va, Aria Donc on y va, on saute tout. Et merci beaucoup pour ton, ton soutien, une fois de plus. Bah, attendez, excusez-moi, mais je suis vraiment désolé. Mais je suis vraiment désolé. Mais attendez, attendez, attendez. Et le porte clé time au fait. Mais oui, mais où bas Qu'est-ce que j'ai fait Qu'on appelle la police. Qu'on appelle la police. Je, en, en, en ayant la... Je suis passé complètement à autre chose. Inadmissible, je vous le dis. Hein. Ah, mais rien ne va plus. Hein. Rien de... Va... Alors. Alors, alors. Pour potentiellement remporter ceci, notamment grâce à tous ceux qui se sont abonnés depuis tout à l'heure. ok On a eu 15 abonnements, et donc, du coup, tous les 15 abonnements, porte on fait gagner un porte-clé ou ça, ou ça. <laughs> c'est ça. Et donc, pour tous les 15 abonnements, je fais gagner un petit porte-clé, et donc là, vous en avez fait 15. Et donc, il suffit de taper G et C. Voilà, juste G, C, c'est tout. Et je vous fais gagner ça, ok On dit qu'on fait ça Let's go. Désolé, euh, j'avais complètement zappé. Merci à Aria de finalement de nous l'avoir rappelé dans cette histoire j'en profite également pour refaire quelques soudures si je vois qu'il y en a qui font la gueule c'est le moment de le refaire En plus pour le coup là je remets de l'étang au plomb C'est parfait J'essaie bien sûr <coughs> Et re-Captain Roudoudou On voit que l'humour est toujours présent C'est important hein. Et surtout l'humour drôle hein, Ça vous le savez Vraiment le, le bon fer à souder et le bon éteint carie de ouf. Pour hein. faire des belles soudures. Impeccable. Impeccable. Il y a juste un endroit où j'ai peur d'avoir fait un pont, mais je ne suis pas sûr. Donc je vais juste retourner voir. Pour m'assurer. Non, c'est pas un pont. Tout va bien. Ok, on va couper ça. Vous êtes 15 à participer. Quoi sur la télé C'est la ligne qui a sauté. Euh, sur celle-ci, c'est la... le condo de sécurité de la lime qui avait pris feu. Ça n'a pas éteint la télé, étonnamment. C'est juste un condo de sécurité qui est là, de je ne sais plus combien de nanofarades, de 100 nanofarades. Et, euh, et il a lâché, donc euh, je l'ai remplacé. La télé se rallume, sans souci. Par contre, j'ai une... Euh, c'est flou de ouf. C'est flou euh, comme pas possible. Donc là, je m'amuse à remplacer tous les condensateurs pour essayer de, bah, de résoudre le problème, en espérant que ça résolve le problème, parce que je suis vraiment patient. Il se trouve, elle était claquée au sol aussi, la télé, depuis longtemps. Et une fois de plus, c'est une télé qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu la tapes sur Google, la référence, Thomson, euh, je sais plus quoi. Elle n'existe pas. C'est inconnu au bataillon. Il n'y a aucune info dessus, même dans Google Images. Ce qui est un peu problématique. Et oui. Le reste n'a pas volé. Oui, non, non, il n'y a que ça. Il n'y a que lui qui a pris feu. Et... Bon, après, pris feu, c'est un grand mot. Il s'est... Euh... Il s'est... Euh... Ou ouais, aussi, il a peut-être pris feu. Peut-être <laughs> une, une brûlure électrique plutôt. Donc là, on coupe toutes les papates. Câble, ça. Ah, Impeccable. Et donc, toute cette partie-là, elle, euh, elle est neuve de condensateur. C'est cool C'est cool, c'est cool. Je vérifie que j'en ai pas oublié un. Caché quelque part dans les méandres de cette euh, machine. C'est une pro version prototype, je ne sais pas. Que tu avais mis en story insta avec la machine à fumer, c'est ça. Euh, Arunotaku est un grand maître de l'obscur. Tu l'attendais à récupérer une TV mainstream. Alors, ah non, Andri, celle-ci c'est celle de chez mes parents. Et celle de Arunotaku, c'est un PVM qui m'a envoyé, donc c'est encore mieux. Et pour le coup, c'est plus mainstream, même si c'est un PVM qui n'est pas commun. D'après FF6 Man qui s'y connaît beaucoup en PVM, il m'a dit il n'est pas commun ton, ton PVM. Donc, c'est cool. Je vais refaire quelques soudures. J'en profite tant que je suis là. Oh non, je veux pas de pont. Peut-être pas refaire de souvenir, ça me fatigue déjà. <laughs> Cabri a utilisé une vapeuse pour simuler la fumée, pour, avoir, pour faire une réparation facile en live, pour booster ses stats. Putain, mais. On avait déjà dit de ne pas tout dire. Garder des trucs. Pour nous. Dingue ça. Hein. C'était complètement dingue. On ne peut même plus feinter, euh, feinter les, les, les viewers. Suis tu tout, comment on fait après C'est cuit. Ok, je ne vais pas trop m'amuser à faire non plus euh, moult de euh, choses. Mais je voulais refaire au, au moins un des connecteurs. Comme j'ai tiré dessus comme un bourrin tout à l'heure. Ok, vous êtes 17 à participer pour le porte clés Vous savez quoi, c'est le moment. Je vais tirer au sort. et vous 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 C'est parti. Eh bah tiens, c'est Yayax qui l'emporte. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Non, euh, bien joué à toi. Bien joué à toi pour ce petit porte-clé. C'est beau. Well play. Well play. Et GG à Yayax, bien sûr, là-dessus. Donc, euh, Yaya, je t'invite à m'envoyer un petit nom, prénom, adresse via Discord. Et puis, euh, et puis voilà. C'est quoi ça Oh C'est quoi ce Dis-moi pas que c'est pour vrai. Comment je fais avec ça, moi Lui Attendez, attendez. Bah, bien joué à toi. Je t'invite à m'envoyer un petit DM sur Discord et on sera bon. Lui, là, il a trois pattes. Qui a fait ça Je fais quoi avec ça, moi Qu'est-ce que je fais avec ça qui a, qui, a, qui a fait cette, cette infamie 2200 microfarades, 25 volts, Germany, RDE. Quel enfer Je fais quoi avec ça On voit le porte-clé et le swat. <laughs> oh, attendez. Comme ça, adresse introuvable. Mon Raspberry Pi... Je peux pas remettre à zéro. Putain. Je mets tout cassé. Oh, je suis fatigué. Ben, je ne vais pas le changer celui-là. On va s'occuper des autres. Et on verra lui plus tard. C'est un condensateur double avec un point commun. Et tu fais quoi avec ça Tu le, le Tu le. Bon, sachez que si vous abonnez, le, le subgoal n'est pas à jour, mais euh, potentiellement... Euh... Enfin, je vais le mettre à jour là, en fait. On va le faire à l'ancienne. Impeccable. On passe ça par deux condos du coup. Mais deux condos de 2200 microfarades, c'est ça le problème. C'est ça que j'aimerais savoir. Et vous voyez ici, donc sur ce truc là, on a screen et on a focus. Et focus, il est hyper. Euh... Hyper granuleux, hyper dur à tourner. Que screen, il est un peu plus mousse. Ouais, non, c'est globalement pareil. Bon, c'est peut-être normal, en fait. Et ça, c'est quoi Je sais pas, pas ce qu'ils font euh, dans la vie. La tournée de la honte, euh, des refollows, des copains. <laughs> oui, tu chers, mais écoute, ça va très bien. Ça va très, très bien. On s'occupe de ça, donc. Euh... De la télé, s'il vous plaît. C'est peut-être ça le flou avec le focus Peut-être, peut-être bien, je sais pas. Euh... Alors, ça, c'est du 16V 470F. Ça, j'en ai peut-être. Oui, j'en ai. <coughs> Est-ce que je mets du Chongix dedans <laughs> Bien sûr que non. J'ai des Chongix. Je ne savais pas. Voilà. Et bonjour les humains. Encore sur la télé. Et oui, on est encore sur la télé. <coughs> Ok. Donc globalement, c'est la télé de la dernière fois. Hein. Voilà. J'aime bien tatouiller pour euh, récupérer le, le trou. Et hop, on remet le plus. Ça, c'est cool en vrai. Je tu vois, je m'attendais à ce que ça prenne énormément de temps. Pas du tout. Et bienvenue à toi, euh, la mouche qui pète C'est très drôle comme ce de j'aime beaucoup. Bienvenue à toi. Alors là, on en a un, potentiellement, je pense que lui, il est claqué au sol. C'est un 10 microfarad, 50 volts. Ça, je dois avoir aussi. 10 microfarad, 50 volts. Ça doit être, euh, si c'est pour l'eau, c'est l'eau. J'en ai, hop, juste ici. Tu es sur quel genre Elle est. Euh, alors avant, elle s'allumait, enfin, euh, elle avait pris feu. Et euh, maintenant, elle n'a euh, elle pas pris feu, elle est floue. Donc, on essaie de résoudre ce problème-là en changeant des condensateurs et en espérant que ça suffise. Globalement, ils ont quand même une bonne tête. Hein. Ils ont globalement une bonne tête. Hein. Une bonne tête. hop ça on est bon <laughs> impeccable donc moins plus c'est bon ici c'est bon euh, on y va alors là voilà par exemple j'ai lui là j'ai lui là j'ai un petit un petit coquin c'est quoi ça il n'y a aucune info et en gros ça a l'air d'être un 10 100 et j'ai pas de polarité, donc je suppose que c'est un bipôle, celui-là. Genre 10 volts 100 microfarades ou euh, 10 microfarades 100 volts. Et une fois de plus, dans le doute, celui-ci, je vais pas y toucher. Celui-ci, je vais pas y toucher parce que je sais pas et je préfère. Là, on a un 250 volts 10 microfarades, c'est eux ou pas Oui, c'est eux. Donc il y a quand même 2-3 euh, questions à se poser hein, sur ces machines-là. Et bienvenue à toi Gwental. Merci pour ton follow. Et welcome. Ah C'est une vieille carte. <laughs> ça, une vieille... Ah d'accord. Ok. C'est sûrement un bipo, ouais. Ouais, je pense que, que c'est ça. Et du coup, j'ai pas envie d'y toucher parce que je sais pas c'est un combien de micro plus moins on fait tout ce qu'on connaît tu attestes le réglage ouais ouais j'ai ouais, test justement et, euh, et ça change rien je vois aucune différence c'est tellement flou que j'en vois vraiment aucune différence c'est pour ça que je tente ces condos là donc tous ceux de cette partie euh, alimentation 100 microfarads, 16 volts. Euh, C'est ça que je tente tout ceux de cette partie là et on verra après. Bienvenue à toi Tsioma. Merci pour Merci pour les follow là depuis tout à l'heure et bah, dis donc. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Fais attention de pas se le foutre dans le front, le faire un soudé. Pip Ok. C'est bien pour le saint ça, ouais. C'est ça. Elna, je connais pas non plus cette marque, mais je crois l'avoir déjà croisée. Il reste persuadé que c'est une télédoftalement. Très bien. Très bien, très bien. Effectivement, peut-être. On ne sait pas. On n'est pas au courant. plus moins c'est un dipôle hein? c'est pas un dipôle que j'ai mis là non c'est bon si je fais ça ça risque d'être compliqué faire attention à tout ce qu'on fait surtout sur une grosse télé comme ça alors je vais déjà souder cela et ensuite on va voir pour les gros les gros ils me font un peu peur aussi je suis pas sûr d'avoir les, les de tous ces avant j'en ai qu'un seul qui est là bas Hop. donc on refait nos petites soudures Diable. Ça fait une bubule. Quand ça fait des bubules, ça crépite. Ça fait peur. Non, ça doit être de l'alu parce que ça se soude pas entre eux. Ok. Et je vais en profiter pour refaire toutes les soudures, dont elles qui ont l'air fissurées. Qui sont sur la carte, largeur, hauteur, étirement, c'est possible. Ouais. J'ai vu des potards, mais ils sont accessibles que quand tu démontes la machine. Je ne sais pas si euh, potentiellement. Ok. Euh... Et... On y va, on donne tout. Voilà. C'est quoi ce. Cette... Comment il s'appelle ce composant-là Celui où il y a la tétine qui ressort justement. C'est pas un condo ça C'est quoi C'est une bobine Ah bah si, je crois qu'on l'avait dit la dernière fois. C'est une bobine. Au final, qui vient convertir en très haute tension. C'est ça, hein. C'est ça, je crois. Hein. Et du coup, Marilou, si t'es encore là, ton week-end s'est bien passé, du coup T'es parce que j'ai vu que tu fais plein de lives malgré ce raid de follow, de follow bot. Il faut bien c'est ça. Donc, ça vient convertir en, ça prend quelques vols pour les convertir en plus gros, quoi. Mais C'est quoi l'intensité de, euh, de, de, de ce genre de bobine Ça peut sortir jusqu'à combien Ça sort 27 000 volts, mais euh, 27 000 volts euh, à combien Globalement ça va, bon, bah, tant mieux. Au, au moins ça. Et on nettoiera après. Alors, donc là, du coup, il me reste celui-ci, celui-ci. Celui-ci qui a trois papades, je sais pas quoi en faire. Et celui-ci, je ne connais pas sa vie. Par contre, j'ai lui, enfin j'ai ces deux-là. Donc j'en ai un, c'est un 2235 volts. Qu'est-ce que ça j'ai J'ai. Ça, 2200, je crois ça. Non, 1000. Hop, toi je vais te remettre là-dedans. 1035. 2225. 2225. Pourquoi j'ai acheté des 25 Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait

C'est lui. Alors, comment je vais faire taille Dev, t'en as des 12 000 votes, d'autres 30 000. Ouais, mais du coup, à, à combien d'intensité C'est ça que je me dis. Euh, C'est ça que je me, je me demande. Génieuse de la euh, déviation magnétique du tube tupledique. Dièse du génie. Du génie, tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Comment je fais Là, je vais me retrouve avec un problème. Globalement, je sais comment faire. Mais je me dis, c'est pas, pas terrible. Parce que moi, j'ai que ça. Et en fait, je pensais pas que les papattes étaient aussi courtes. Je pensais qu'elles allaient être plus longues. Est-ce que si je fais genre ça Non, même plus que ça. J'ai pas l'info, mais ça doit pas monter. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, en fait. Si je fais genre ça. Genre ça, ça. Est-ce que j'ai... Potentiellement, ça peut le faire, hein. Du coup ça irait comme ça et il serait à la verticale est ce que ça passe oui ça passe vraiment ça passe bah ben, on va tenter ça c'est juste que du coup à la verticale il va falloir que je mette de la colle chaude à la base ok faut que je mette de la colle chaude à la base pour éviter que bah ben, il vienne se décrocher tout simplement avec le temps ça se démonte ça je vois qu'il y a un crochet là comme si ça voulait se démonter Bon, Le focus, sinon tu te fais au bon endroit, s'il te plaît. Voilà, on va faire comme ça. Oups. Poubelle. On va bah, regarder. Alors, attends, parce que du coup, confirmation. Oh, bah, c'est écrit là. Non, je vais continuer à chauffer parce que ça me permettait de, de, de bien récupérer le matos. Vous y croyez ou pas mon, à mon à mon Il y a deux trous. Impeccable. Et lui de même. Il est beau, hein. C'est une belle bête, hein. T'as presque envie de le décapsuler et d'en boire un coup, quoi. Alors, le plus qu'il est là, et le moins qu'il est de l'autre côté. Donc, comme ça. Tout comme ça. Et ça va, ça va le faire, hein ça va le faire, ça va le faire de ouf. J'ai Laura, elle serait peut-être pas très fier de moi. Vas-y, <laughs> mais quelle, quelle sauce putain. J'ai Laura pour ceux qui savent pas, c'est la personne qui m'a conseillé beaucoup de choses sur cette télé justement. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît en cathodique, en VHS, en plein de choses Allez, voilà. Toi aussi. <laughs> Globalement, c'est un condo qui fait le grand écart, quoi. C'est pas mal. Et donc là, ouais, une fois de plus, uh, colle chaude, hein, parce que sinon, c'est, uh, c'est pas terrible, terrible. Je vais souder la première papette. Il faut que je refasse cette chose. Le condo Jean-Claude Vandamme, C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je réclamerais bien un, un montage là-dessus, mais euh, ça serait vous exploiter. Les papates sont tellement courtes que j'ai même pas besoin de les couper. C'est impeccable. Par contre, je me retrouve niqué. Pourquoi j'ai pris du 2225 J'étais alcoolisé. Je ne vois que ça. Pourquoi j'ai pris du 25 et pas du 35 Qu'est-ce que j'ai fait Dans 15-20 ans, il en aura plus. <laughs> C'est ça. Ah, C'est ça, 25. Il est con. Il est con, bonhomme. Pourquoi j'ai fait ça J'ai dit 2206-3 là-haut. Je suis dégoûté. Du coup, il me restait plus que deux condos sur cette, sur cette carte-là et on était bon. Et là, du coup, il m'en reste 3. Alors, attendez, je vais juste aller faire un tour sur RS pour être sûr que c'est bien cette connerie-là que j'ai fait. Pour m'assurer que j'ai bien fait cette connerie. Euh, voir toutes mes commandes. Putain, il est rapide aujourd'hui, RS. Ça change. Je qu'il est relativement lent comme site, souvent. Euh... Alors, ça, c'est le film. Ça, c'est du 4700. 2225, j'ai commandé ça. J'ai fait ça. Je suis vraiment à teubé. Bon, ben, on ne le changera pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais regarder dans mes listes de condensateurs. Je suis pratiquement sûr que j'ai ça aussi. J'en avais déjà du 2225, ça se trouve. Je vais aller juste dans la liste de mes condos et puis bah sinon, bah, le... je vais juste le coller à la base et, euh... et on va le tester. On va remettre ça et on branche. 2200 microfarade, 25 volts, c'est ça que je voulais dire. Mm -hmm. Ouais, j'en ai déjà, ouais, ouais, je suis vraiment bon. Ouais, j'ai envie de, me... de, me... de me frapper. Quand je fais des erreurs nulles comme ça, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Ok, bon, de ce côté-là, au moins c'est fait. Il en manque 3. Je vais prendre des photos des 3 que je dois remplacer pour la potentielle prochaine commande. Qui a fait ça Mais non, Shimaera, du coup, qui est passé niveau 12. <laughs> Merci beaucoup. Mais ça ne, ne s'arrêtera donc jamais. 9 sur 6, c'est énorme. Merci beaucoup, Shimaera. Merci beaucoup. Je note, hein, je note toujours. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et globalement, mettez-vous en pause sur Red Shadow Legend, parce que potentiellement, je ne sais pas ce qui va se passer. Euh... Euh... Bon après, enfin euh, non, mettez-vous en pause si vous avez pas Enfin, si vous pouvez ne pas y jouer, parce que si vous avez vraiment envie d'y jouer, continuez à y jouer. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire, hé, hey, tu arrêtes de jouer, ça va pas à la tête ou -ce que tu fais? Non. Euh, là n'est pas la procédure. Mais euh, globalement, je ne sais pas encore comment ça va se passer pour la suite. Donc euh, mieux vaut mettre ça en pause. Elle va bien payer la sponso. Bah j'espère. on oh, parle pas mal de RS. Elle parle pas mal de RS. Euh, J'ai tout pris en photo. Non, j'ai pas pris le dernier. J'ai pas pris ça non plus, je crois. C'est fou ça, c'est un trois pattes. Il a trois pas, celui-là. Énorme. Euh, je refais quelques soudures. Ouais. Ouais, non. Je regarde un petit peu si je vois une soudure qui fait la gueule plus qu'une autre. Mais euh, potentiellement, c'est pas. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Je veux juste pas tirer dessus, quoi. Mmh, là, je vois une once de. Je vois une ombre. Mais euh, vraiment, en tout cas, euh, un, un immense merci à vous hein, d'avoir été aussi nombreux à, à faire cette à euh, cette Shadow Legend. Bon, potentiellement, elle risque de continuer toute la semaine, hein, bien sûr. Euh, parce que c'est le contrat. Et le contrat, c'est une semaine. Mais, euh, mais à voir s'il y a d'autres paliers. Voilà. Non, pas de pont, on a dit. Je refais les souillures dans ce coin-là parce qu'elles avaient l'air d'être un peu euh, poreuses. J'espère vraiment que ça va changer quelque chose. Hein. Ne serait-ce que... Enfin, même si euh, l'image est encore pas nickel, mais qu'elle ne soit pas floue. C'est vraiment ça que, qui m'embête. Parce que là, flou, euh, je peux rien faire, quoi. Merde, je l'ai débranché, il me reste encore un truc à faire. Un condo à faire maintenant. Que J'aimerais faire maintenant. Euh... Hop. Ça a été vite pour remplacer les condos, là. Attends, ça fait combien de temps Ça fait une heure. Vous avez vu tous les condos qu'on a remplacés Celui-ci était bien gonflé, un sou, c'était lui qui faisait le flou. J'aimerais bien. Je me rassure. Je me rassure comme je peux. Sur le focus, j'étais pas sûr que qu'il passe quelque chose en fait quand j'y touchais. Il y avait des potards de réglage. Oui, il y a des potards de réglage, ça c'est sûr. Mais je sais pas à quoi ils correspondent et comme j'ai aucune info sur la machine, je bah, j'ose pas trop y toucher. Normal c'est la journée, là. <laughs> Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. La journée du speedrun, on est tellement, tellement, tellement. Aujourd'hui, on a tout speedrun on a refait la on a refait une manquerait plus que elle et pas... marche c'est bon hein. je, je, je... On, a, on a gagné la... la semaine la semaine est gagnée je vous le dis petit coup de nettoyage malgré tout Impeccable ça, c'est propre. PCB est bien joli. J'aime bien. Et du coup, c'est du monocouche, hein. c'est ce que je suis en train de me dire. Hein. C'est du monocouche, hein. Toute piste Toutes les pistes sont là. Il n'y en a pas de l'autre côté. Les seules pistes qui y a de l'autre côté, c'est des vias c'est des... ce genre de choses. C'est dingue. C'est dingue. Mmh, mmh. Je fais un point avec un collègue et pour le level 12 de plus. Eh ouais, t'as vu ça? Ça va vite, hein? Ça va vite. Le vieux flutou, pas beau. ça va super vite en tout cas c'est trop bien c'est trop trop bien s'est dénoncé j'espère aussi j'ai une tv comme ça alors je répare de vieux amplis de home cinéma ah ouais Antoine nous les Home cinéma ça me fait ça me fait pas peur mais ça me ça me fatigue d'avance on va dire trop chiant les home cinéma il y a trop de trucs dedans il y a trop de trucs et encore tu vois là cette télé ça va mais la dernière fois la Bang Olufsen bah du coup elle avait un petit peu un home cinéma intégré enfin pas du tout mais genre elle était plus axée euh, multimédia et du coup elle était vachement complexe à l'intérieur du coup pareil ça m'a fait un peu euh... j'étais pour aller là. <laughs> trop de trucs j'aime pas t'aimes pas les cadeaux bon bravo Mais tout le monde ne s'est pas dénoncé sur la sponsor Red Shadow Legends, tous les participants. Et je comprends aussi que les gens n'aient pas forcément envie de se dénoncer. Allez hop, ça fera l'affaire pour ce PCB là. Je le pose de côté et on va juste s'occuper d'un autre. Attendez, je vais ranger ça. Parce que ça, ça va me. Là, il y a beaucoup de bordel. TV écran plat, ça dépend desquels, mais ouais, c'est bien aussi. Après, souvent, euh, TV écran plat, c'est pile ou face. Hein. C'est tout ou rien. C'est vraiment tout ou rien. Malheureusement. Le nombre de fois où euh, des télécrans plats, euh, les ouvrent et ça marche plus et tu aucune idée de pourquoi. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive. Euh, là, c'est du combien J'avais dit 2,2 250 volts. Je les ai, ça. 1035. Donc, tout ce qui est 1035 là. 1035, 1035. 1035, 1035, 1035 et 1035. Bon. Et là, 10, 250. Non, on a dit 2,2. Ah, mais non, il y en a encore un autre petit là. T'es qui toi c'est kit donc à faire autant de tous les faire euh, ce que j'ai avant l'autre PCB c'est quoi ça comme référence 16 volts sur micro paradoxe ça c'est dans les tiroirs là-haut Ça ben, non et ça on a dit 2,2 250 c'est pour ça 2225 et pour ça 2,2 250 c'est lui ah, oh, les salauds, ça, ça se dénonce pas, t'as vu ça? Ça a vu solo! Hop! 2,250, et on a dit un 100 microfarad 16 volts. Un euh, 100 microfarad 10 volts, non. Si, c'est ça. 16 volts. 100 microfarads, 16 volts. Hop, 100 microfarads, 16 volts, c'est eux. Ah, Impeccable. Ah mon père, il y a une semaine merveilleuse, il y avait un temps, fonctionne toujours aussi bien le bousin. Ça c'est beau ça. Qui me retient Comment je vais me démerder pour le faire lui Le wow. débranche. Bon, bah, globalement je peux tout brancher quoi. Et hop. L'appareil le plus et le moins sont indiqués. Sauf là. L'I c'est pas indiqué. Donc le moins vers moi, vers l'extérieur. Bon, maintenant, on ne peut pas le louper en dessous. Hein. Tu vois là la soudure, elle a cassé. En tirant dessus, c'est la soudure qui casse. Lui il était bien, lui il était mûr lui. Hein. Lui il était mûr. Ah si le plus est indiqué. Parce qu'il ne s'allumait plus. Oh, Tant bien c'est cool. Ça fait toujours plaisir, c'est hyper satisfaisant de réussir à réparer ce genre de choses. Donc, hein. bon, ce, qui me ce qui me rassure, c'est que potentiellement les. Là, ce qu'on fait, c'est pas pour rien, parce qu'il y avait quand même des condos qui étaient claqués. Hein. Entre les, cla les, les claques. Entre les condos et les soudures, on refait pas mal de choses. Euh, J'en ai au moins deux où je me suis pas signalé. Ah bah bravo Je bon, m'en vais fait, de ce pas appeler la police. Ok, ça c'est bon. Plus de ce côté-là, moins de ce côté-là. Et on est bon. Et après on teste, on le remonte. Cette fois-ci j'ai pris toutes les photos et je me souviens à peu près de comment ça se remonte. Ça devrait être un peu plus, un peu mieux et un peu plus rapide. Ça, c'est good. On va faire les connecteurs. Qui a fait ça encore Frionette. Niveau 12 aussi. Je, il y avait vraiment des gens qui ont apprécié, on dirait. Hein, Frionette, putain, mais on en a 10. On devait en avoir 6. On en a 10. Frionette, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. et ben, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc. Allô, Mister Dialy, qui est l'individu qu'on doit embarquer Nous non, arrivons non. dès que possible. Bon bien. Embarquer tous les anonymes qui ne se sont pas euh, identifiés. Bien sûr. bien sûr. Par exemple, les soudures sont un peu. Euh... Je vais remettre un petit coup sur certaines soudures. j'ai un condo, tu vois. Et lui, il était comment oh, Ouais. Chapeau, ça va. On a eu pire, on a eu pire. J'ai refait toutes les soudures, ce succès Non, je crois pas. Qu est que j'aime pas ce flux-là Ou gras, là on dirait du caramel, mais qui pue. Ça te fait de l'extra tunasse si tu fais mieux que les objectifs. Bah là, potentiellement, euh, euh, pour l'instant, non. C'est ça le truc, c'est que pour l'instant, non. Mais peut-être après, oui. Mais pour l'instant, euh, non. Ça ici, tu fais un peu la gueule. Ah. Toi, te sauve pas. Ok. Ok. Yep. Yep. Ok. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Très bien. <coughs> Caramel au poisson, non, ça va. Mais l'odeur reste assez forte quand même. Euh, si, attends, dernier truc, on va faire après, c'est tout le, toute la couronne là. Une fois plus, un hein, des noms empruntés. J'ai aucune idée de si c'est les bons noms. Je tente des trucs, hein. je tente des nommages. Petit nettoyage pour enlever le gros de la, mais c'est fou ça, Wolric. Merci beaucoup d'avoir fait le tuto. Et b, ça régale de ouf! Merci beaucoup. J'écris. La semaine commence fort, hein, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Ok, on va faire les soudures là. Ça fera du bien. Et potentiellement, si elle fonctionne, cette télé elle sera utilisée pour, euh, pour la sponsor de jeudi. Hein. <laughs> Merci beaucoup, Walric, en tout cas. Merci énormément. C'est très gentil. Merci à tous hein, pour le, le soutien. Enfin, ce que, ce que vous avez fait ce matin, c'est dingue. Hein. Ok. Et ben, bah, je crois bien que c'est le moment. On va pas forcément kiffer le flux. Euh... Et je crois que c'est leur flux à eux qui se barre, le, le espèce de truc marron. Et ben c'est pas mal, c'est pas mal. Là je crois bien que c'est le moment de tout remonter. Je me suis inventé un stream. Euh, Richard Devin, dans trois jours était déjà rempli le contrat. Ouais c'est ça. C'est ça c'est ça. Euh, ça c'est les 63 volts ou oh. de 64, je sais plus il hmm. okay, reste encore plein de condos sur l'autre partie mais c'est bien de faire en deux fois je trouve ça évite de trop en avoir dans la gueule et euh, c'est bien j'espère que ça va le faire ça serait cool ok je pose ça sur le côté ça également, ça également je te mets là ok, okay. alors d'abord ça on va dézoomer celui-ci. Ah attendez, j'ai oublié la colle chaude pour fixer ça. Que ça là, c'est pas terrible. C'est pas terrible ce machin. Là C'est loin. Le transfoqué dedans là. Pas envie de casser la machine. Hand. Ou euh, sinon au contraire ça va me sauter à la gueule. Oui oui et non je ne suis pas une voiture dans le décor. Ceci est une descente de police. Merci de jouer. <laughs> oui j'aime bien et j'ai la rêve, j'ai la rêve en plus. Il a été incroyable dans la flamme. Incroyable dans la flamme. <coughs> J'attends que ça finisse de chauffer et on va tout remonter. Ok. Maintenant, parce que j'ai le téléphone qui vibre depuis tout à l'heure. Hein. Merci à tous ceux hein, sur Twitch. Qui l'a qui RT une fois de plus. Euh, tac, tac. Hop Il a dit Joey. <laughs> même lui, même lui, il le dit. Chat et Si c'est Kit qui le dit, enfin euh, voilà. Il hein. ne faut pas le contredire. Hein. Ça, c'est un ordinateur. Hein. Donc là, je vais juste mettre euh, voilà, une, une ligne de colle chaude. Là, ça tient hop alors ça devrait le faire et pourquoi j'ai commencé par ça parce que j'ai même l'impression que la neige et tout bon après ça se trouve c'est lui qui envoie pas les bonnes informations à lui qui ensuite enfin je sais pas trop comment ça marche je crois que non c'est ça qui est branché sur le tube je sais même pas comment ça marche je ne sais point comment cette chose, cette technologie fonctionne. Déjà si on arrive à la réparer, ce sera déjà un bon début. On verra plus tard pour s'enfermer. Ah non, me dis pas que c'est pas vrai que je vais pas pouvoir le refermer avec mon condo de, de 4700 microfarades. déjà la colle a lâché, ça c'est sûr. Ok. Technologie reptilienne. Ah, bah, totalement. Sur sur totalement sur la technologie reptilienne. Bon, alors, on va faire une schlagerie, euh, comme on l'appelle dans le milieu. Euh, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix. Et lui, t'es cassé. On va utiliser du fil. Mmh, mmh, mmh. À le faire à soude, puisque du coup je peux pas re refermer la beau boîte, ce qui est un peu dommage. Le mmh. je suis forcé de le mettre à plat, où il aura fallu que je le torde, etc. Mais mon temps qu'à faire, autant le mettre à plat. Mmh. Alors comment je vais me débrouiller C'est à faire Ah quoique je peux réussir à le mettre comme ça. Je vais schlaguer. Dans un premier temps, je vais schlaguer. Je réfléchirai à une solution euh, prochainement. Mais euh, je vais schlaguer dans ce sens-là et puis on verra. Dans un premier temps, on schlag. Merde. C'est un profit. Qu'est-ce que je voulais Qu que Tu fais tout. On va tenter de le mettre pas droit. Il veut pas, hein. il veut pas, il se fout de ma gueule. faut avec le doigt, c'est un brûlé. Puis après je vais pleurer. Voilà. Non, toujours pas. C'est bon. Ok, là c'est bon. Putain, ça tient pas. Ça ne tient pas. Sinon, je mets des fils, hein, tu vois, mais c'est chiant. Ou oh, quelle est la pince ouais, Il est quand même 15 heures. Ah, hein. oh, cette musique. Poulim, pouim. Je ne vais pas le faire avec le doigt. Sinon, ça va me faire mal. Pas plus, pas moins. Ça lui donne un, un angle. Et euh, comme ça, on va voir ce que ça dit. Alors attendez. Je vous, je vous le dis puis je vous montre. Okay. ok. pour dans rail. C'est horrible, mais c'est passé. Bon, on va tester comme ça, on verra bien. En espérant que ça ne va pas nous sauter à la gueule. Oh, je pense pas quand même, ça serait étonnant que ça nous saute à la gueule. Saute pas à la gueule, ces machins-là. Donc il est là. Il est là. Bon. Il tient. Il est même collé à ça. Bon, il ne bougera pas. La tienne. Et le lézard rouge. J'aime pas les controns. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment tu vas Comment il va Comment il va le lézard rouge Aussi appelé Lazare et Live dans le Bisby. -bis. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça se clipse plus dedans? Ça va pas dans l'autre sens, de toute façon, ça n'a pas le choix. Ah si, ça y est, c'est bon. Je sais pas ce que je foutais, mais euh, j'y arrivais pas. Peut-être dans le guidon. Ah ouais, je veux, bien, je veux bien le croire. Merci beaucoup en tout cas pour ton 14e mois d'abonnement, c'est énorme. Merci beaucoup, c'est très très gentil de ta part. Merci du soutien. Ça, ça va là, donc on branche après. Tu es. Tu Oh, tu tu vas me faire chier avec le condo du coup. Je vais te faire passer autrement. Ça me dérangera moins. Tu es comme ça. Je sais pas si tu as déjà, euh, tu t'es déjà occupé de télécathodique le lézard rouge. Hein. Mais le lézard rouge aussi, euh, aussi appelé Lazare Live sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est très très cool. Donc ça, ça allait là. Si vous aimez un petit peu justement, en plus euh, tout ce qui est euh, amplification, tout ce qui est euh, home cinéma, tout ça, tout ça. Ok, donc ça, peu importe le sens où on met, on s'en fout. Les deux pistes, c'est les mêmes. Ok. Comme ça, comme ça, ça c'est pour le son, on s'en souviendra. Ça aussi, c'est pour autre chose. Ça, ça vient ici, mais on le branche à la fin. Ça, ça vient ici, fort bien. Impeccable. 5 euh, heures de photo chopage Merci de m'avoir accompagné tout le long. Ah, bah, très content, euh, Maliria. De euh, Miliria, pardon, euh, et euh, tant mieux que c'était un euh, Accompagné, et que c'était euh, bah, plus, <laughs> j'ai envie de dire. Euh, je fais peut-être une bêtise là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se dit qu'on fait des bêtises On regarde sur l'appareil photal, sur les photales qu'on a pris euh, Un peu, oui, mais ça fait longtemps par contre. Ok Je t'avoue que moi je suis un petit peu sur mes premières télécathodiques. C'est encore un peu hasardeux, on va pas se mentir. Euh, ça, ça allait où déjà Je sais plus. Je sais plus. Ah putain, mais j'ai du aussi. <coughs> 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 mais euh, c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Ça fait la deuxième fois qu'on la démonte en vrai. Vraiment, la deuxième, c'est la bonne. Alors, parce que j'ai ça, j'ai ça, ça, ça va tout au bout, ça, ça va tout au bout, ça, je sais plus, et ça, ça, donc ça, là, ça, là, ok. Ouais. Tout ça pour une télé inconnue en plus. <laughs> débat ça va qu'on me l'a donné ici hein. alors toi je sais plus où tu vas toi je sais plus où tu vas c'est sûr vous je sais où vous allez donc reste bien calme et pas le malin avec moi Ma carte PC Express USB pour faire des tests à 5 cam et bois disons le ça ah, en fait de la cam. Ok donc ça c'est le rouge en haut. On se souvient. Rouge en haut. Très bien. Ensuite, on a ça. Qui vient comme ça. Très bien. Ça, lui, il vient par là. Du coup, comme ça. Je sais pas à quoi servent ces câbles, mais ils sont là. Et il euh, faut les remettre. <laughs> il me bloque là-bas. Voilà. Hum. A fait, émérite qui a fait la magnifique portrait de Lou. Ah mais grave que tu as très joliment repris d'ailleurs en dessin qui est euh, magnifique, magnifique, magnifique. Bon oh, après le, le sujet est beau aussi, hein, c'est normal. Le sujet est beau gosse aussi hein, bien sûr. Ça aide. Alors ça va où Ah ça lui. Il va sur la carte du tube. Lui, il va par là. Non Si. Tandis que lui. Donc lui. Il va. tenter la personne hésitante. Si j'ai deux codes ici, je sais plus qui va où. Ah, mais si, attends, de toute façon, je peux pas trop me tromper non plus parce que j'ai ça. Attendez, on va mettre ça d'abord. On va mettre ça d'abord. Où qu'il est le... le bitonio là Terme scientifique, bien sûr. Lui, l'eau lui l'eau comme ça okay. lui Aha le fil noir il va il va il va ici et donc le fil marron lui il va Ici. J'y arrive. Euh, T'as déjà considéré faire une horloge en CRT? Quoi? Une horloge en CRT, dis-moi en plus. Et lui, là. Putain, si ça me pète pas la gueule, bah ben, on a de la chance. Ok. Okay. Ah bah tétine aussi. Salut Marcouille. Marcouya et bonjour du, du Québec. Du coup bonjour au Québec, à nos amis Québécois. Qui a fait ça la notipe <laughs> C'est Vink en plus. Je me, je suis, je suis réclamé. Euh, je suis réclamé pour du Warzone, jeune demoiseau. Alors, ça. Alors, attends. Tu m'as l'air d'une au cul et, et tout ça qui affiche une horloge GPS par exemple. Mais non. C'est complètement dingue. Excusez-moi du terme, c'est complètement dingue. On redébranche parce que tant que j'ai pas mis la tétine, on peut pas aller beaucoup plus loin. C'est stylé, j'aime bien le projet. Mais il faut que le CRT soit fonctionnel du coup. Pour l'instant, des CRT qui marchent, j'en ai pas beaucoup. Allez, allez. La tétouille. Allez Euh, celui du café qui a fait qu traîne depuis au moins 3 heures sur la table. Oh le café froid, il y a que ça de vrai, non ah, tout cassé. Pfiou. Quelle idée j'ai eu de m'occuper de, 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 de ce genre de choses. Inserté d'ordi en VGA Ouais. J'en ai un qui est là que potentiellement je vais tège à la fin. Parce que je ne sais pas quoi en faire, parce qu'il n'y euh, a, a pas de business pour ce genre de, de machine-là, si un jour il y en a qu'on veut. Qu'est-ce que c'est un C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un écran cathodique, c'est ancienne technologie d'écran. Allez salopard J'ai envie de tout casser. Donc, je tire un morceau prises, ça ne va pas aider. Je vais y aller à deux mains. Voilà. Allez, ah, tout c'est fou. Hein. Impeccable. On peut discuter. Eh bah ben, écoute, avec grand plaisir. Il est récent. Eh Bienvenue à toi, Drogan. Je suis content qu'il y ait des follow sur du CRT hein, quand même. Hein. Pas vous mentir que ça reste un truc assez obscur euh, et qu'on ait du follow là-dessus, ça fait plaisir. Donc le rouge en haut, on a mis. Rouge en haut. Très bien. Ensuite. Toué. Ouais. Tu vas aller. Est-ce dirait un peu je sais ce que je fais Ou pas On se casse en présent Oui, on est à 11, 000, euh, 11 000, euh, 4, Effectivement, vous êtes euh, 11 004 à follow la chaîne. Ça fait euh, de peu plaisir. Plaisir à lui. Non, ça marche pas ça. Euh, tiens, viens là là. C'est vrai, pendant la pause pipi, on a eu un, un follow et ça a tapé les 11 000. Les 11 004. Et ça, c'est un beau chiffre. Ok, 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 ok. qu'il est branché Dites-moi que c'est pour vrai. Ah non, il reste lui et lui vient là. C'est à good alors. et eh bah, ben, jeunes gens, ça va être le moment d'imploser cette chose. Alors, on m'a dit sur les implosions, il faut surtout faire attention c'est aux... aux particules que ça dégage. C'est pour terrible paraît-il, pour la santé. ça on va brancher l'enceinte. Je suis toujours pas testé si elle marchait, elle. Alors ça, c'est toujours un, un cheriblique à brancher, parce que forcément, ça a un sens. Mais il faut trouver le bon. C'est le bon sens, là Non. Voilà. Impeccable. Il reste ça. Ok. Don't, don't you worry. You need me. Hop. Le câble management. On reclipse ça. Tu te, tu te refermes, oui. Oh, une prédit. Vous verrez une prédit sur quoi Sur ça implose. <laughs> ça implose, ça implose pas. Ah. Il y a deux secondes j'ai cru que j'avais un câble qui était pas terrible. Ça je le repince bien. Kaboom ou pas Kaboom. Non, on va pas faire un prédit sur ce genre de choses. Ça me plaît pas moi. Ok. Bon bah comme la dernière fois. Hein. Ah les jambes. On prend le câble. Attention. Dézoomage. Il oh, y a un condo que j'ai mis, je n'ai pas mis le bon. Ça se trouve, j'en ai mis un à l'envers, on ne sait pas. Suspense. Hein bon, Vink, tu connais mon adresse en cas de problème. <laughs> ouais, je, je mets... Attention, j'allume le courant. Pas d'explosion. Pas d'explosion. Jusque-là, on est bon. J'éteins. Euh, non, là, je suis allumé. Ah, donc j'étais déjà allumé. Ok, bon. J'éteins. J'allume ici. J'allume là. Attention. Pour l'instant, ça va. Ok. Bon, je pense que ça n'a pas résolu le problème, mais pour l'instant, ça va. Je peux aller en AV encore. Ok. Bah tiens, toi qui sert à rien depuis tout à l'heure là. Fais voir, ta péritelle. Si tu peux ne pas tomber par contre, ça m'arrangerait. Celui-là, Il n'y a pas de CD qui tourne dedans, donc en vrai je peux la rapprocher de ouf. Non, c'est pareil. C'est pareil de ouf. C'est toujours aussi flou. Si je focus, j'ai pas envie d'y aller avec les doigts pour le focus, bizarrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, mon petit tournevis. Ouais, c'est flou et je sais pas ce que c'est. Là j'ai une euh, j'ai un focus. Qui change. Qui a l'air de changer, mais euh, pas assez en fait. Euh... Tu peux te poser quelque part toi, sans que tu mébrises. Genre par terre, non Genre attends, si je te mets comme ça, dans l'autre sens, ça marche Oui, ça marche. Ok. Euh... Il te faut un outil plastique. Pourquoi un outil plastique Pfiou. Bougez pas. Je vous montre ce qui se passe à la télé. Hein, je suis un peu D'ailleurs, je pensais que les condos quand même allaient lui faire euh, leur petit effet. Voici ce que j'ai. Voilà. Et je sais pas pourquoi. Il y va avec un tournevis. Euh... Ouais, mais l'embout le, le, est, est plastique. <laughs> j'ai un plastique, Siva. Des effets inductifs et électrocution euh, court-circuit. J'ai full plastique, si vous voulez. Mais vous voyez, ça ne change pas grand-chose mon focus. Moi, il va le Oliver mais euh, c'est tout ce que j'ai et euh, je sais pas quoi faire en fait j'ai ça qui me permet de régler la, le screen je sais pas ce que c'est screen c'est les shadows qui pompent hein je sais tout à fait ce que c'est les shadows Vous pensez à la luminosité Je peux baisser le son Je peux baisser le son, ça baisse le son. Euh, et si tu de dedans Non, ça marche pas non plus. J'ai des petits potards là, mais je sais pas ce que c'est censé faire. Et ça me fait peur en fait d'y toucher. Pourquoi je veux y toucher à ça C'est des potards qui sont peut-être pas faits pour des réglages. Donc j'ai pas trop envie d'y toucher. Elle est pas si bruyante que ça en pour une télé euh, cathodique. Ça va être vraiment devant, euh, mais faut check si ta bobine. De Yoke est bien installé. Je sais pas ce que c'est une bobine de Yoke. Ça me rappelle les films samedi soir quand j'avais pas de décodeur. Mmh. <laughs> c'est l'atelier transformé au télé en stroboscope. Là c'est juste la, la fréquence de l'image avec le, le téléphone donc ça va. Mais euh, du coup voilà c'est tout ce que j'arrive à voir. Et Je sais pas si ça vaut le coup euh, d'investir encore du temps dedans. Je sais pas si ça vaut le coup de. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en vrai, si c'est autre chose que les condensateurs, trouver des pièces de remplacement pour ça, euh, c'est quasi euh, impossible, quoi. Je te m'enseigner, je te dirais, c'est gentil. Ça blingue comme ça aussi à l'œil nu. Mmh, ça clignote un peu au niveau des écritures ici, mais ici, non. Mais je pense que c'est plus une histoire de luminosité, ça. c'est le contraste. Pff, je sais C'est focus qui est HS. faut être capable de régler l'intensité du flux. Oh là alors là les gars, euh, moi ça me fait déjà peur. J'ai pas envie de jouer à ça. Hein. Hum. c'est peut-être HS. Ah ouais Mais dans ce cas là je peux je peux rien y faire. S'il si a HS je peux rien faire. Parce que globalement il est là sur la sur la la, la bobine. Donc je peux je peux rien faire là-dessus. C'est juste un potard. Bah ouais mais le problème c'est qu'il est dans la bobine. Il est dans la bobine le potard. Donc euh, c'est un peu le souci que j'ai. Tourne-le plusieurs fois, c'est ce que j'ai fait. Euh, mais euh, malheureusement ça ne change pas grand-chose. Je sais même pas où il, où il est censé être. Euh... Effectivement le tournevis plastique c'est une bonne idée. Moi <laughs> ouais, qui fais que dripper de depuis tout à l'heure. En fait je sais pas le focus à quel point il est censé ajuster le truc tu vois. Non ça change rien. Il a un peu de jeu, je sais pas si c'est normal. L'autre potard à côté tu vois il fonctionne. L'autre potard à côté, il a l'air de faire le taf. De très flou à net. Du coup, de flou à ce point-là, à net, c'est possible, alors. Mais à votre avis, la bobine Je pose la question, on ne sait jamais. Cette bobine ou pas bah Justement, c'est ce que j'allais C'est ce que j'allais demander. Parce qu'à votre avis, là, il y a une espèce de colle tout autour. Tu vois C'est une colle tout autour. Si je viens l'enlever, cette colle, et que je l'ouvre, et que je l'ouvre, et que je regarde un peu l'état de l'intérieur. éteins et rallume. Mais éteindre et rallume, ça ne change pas grand-chose, malheureusement. Non, c'est pareil. On trouvait une neuve en Amérique du Sud. Ouais, mais euh, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, j'ai euh, une fois de plus. Euh... Ah non, Flatback, tu ne pas Ah oui. D'avoir des masses de colle là aussi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de colle. C'est un peu problématique. J'avoue, j'ai un peu le seum parce que j'ai quand même investi quelques deniers. On a un petit 45 euros dans la, dans la machine. Euh, non, plus 40. Euh, euh, du coup, ça m'embête un peu qu'elle ne fonctionne pas, mais j'avoue que je ne suis pas prêt à réinvestir des sous dedans, sachant que potentiellement euh, elle va pas repartir. Donc, euh, donc bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. C'est un, un peu problématique là-dessus. J'avoue. Le bon coin à 50 euros. De quoi cette télé Tu l'as trouvé Tu l'as trouvé cette téloche Avoir, avoir, avoir. Sachant, non, tu la vends. Bah non, je ne vais pas la vendre 50 euros alors que ça marche pas. Et... Enfin, après, je peux... je peux voir avec. Au pire, le, le seul truc que je pourrais faire, c'est potentiellement proposer à Gélora et euh, lui dire qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu saurais faire quelque chose à ça Ouais, ça marche. Ah non, 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 c'est toujours flou, euh, malheureusement. C'est dommage parce que d'extérieur, elle est quand même. Euh, elle, est, elle est super jolie. J'aime beaucoup, euh, justement, euh, le vieux logo Thompson. Euh, elle, elle est bien. C'est un peu beaucoup 50 balles, ouais. C'est un peu beaucoup, ouais. Tu vois, le, le logo Thompson à l'ancienne, elle, elle est jolie, j'aime bien. Je l'aime bien, c'est une belle télé, mais malheureusement, euh, si elle ne fonctionne pas, je n'ai pas, pas la, la place pour me permettre de la garder. Donc voilà. Eh bien, écoutez, jeunes gens, euh, on va s'arrêter là. Euh, je vais voir avec Laura ce qu'il en pense. Et puis, euh, sachant que j'ai encore tous les PCB de l'autre côté, mais effectivement, s'il focus. Euh, il a pas l'air de réagir, ça se trouve c'est lui qui est mort et je pourrais pas faire grand chose. Donc bon, on verra. Tant pis, tant pis, tant pis. T'as pensé à nettoyer tes lunettes, putain mais elles sont neuves, donc je ne. elles sont, elles sont nickel. On va s'arrêter là. Je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui. Euh, elle est noire et blanc, non, elle est couleur normalement. Euh, a peut-être un autre focus. Bah ouais, je sais pas, je connais pas et j'ai pas d'infos sur internet de cette télé, donc malheureusement. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été. là Je vois que vous êtes encore très nombreux. Merci beaucoup pour le, la, la sponsor à Shadow Legends. Vous avez tout cassé. Je vous tiens au courant s'il y a une suite, s'il y aura d'autres, d'autres, d'autres comment s'appelle euh, mince, d'autres paliers. Euh, mais merci dans tous les cas. Ça soutient énormément la chaîne. Sachez que c'est un gros plus et ça permet d'être tranquille pour pour ce mois-ci. Donc, euh, donc merci beaucoup. On se, dit, euh, on se dit à demain, demain matin 9h. Moi, il faut que j'attaque, euh, avant ça, il faut que j'attaque euh, la modélisation et l'impression 3D des différents supports que je dois faire pour la, le, le cadre PS1. Et puis sinon, on continuera d'autres choses demain, n'ayez crainte. Euh, bah, soit cette télé, soit le PVM, soit euh, le PC portable, bref, plein de choses. En tout cas, je vous envoie chez Inforéa. Il est en train de s'occuper de, de moult téléphones. N'hésitez pas à le suivre si vous aimez le bricolage et la réparation, bien sûr. Et puis nous, on se dit, euh, on se dit tout simplement euh, à demain. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux. Euh... N'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de follow le Twitch, bien entendu. Et puis à très bientôt. Tout simplement. Mon stream deck s'est éteint sur enfin, ma Switch, du coup. Et puis on se dit à demain. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, ciao.